Et a maintenu. Pendant que la balle est frappée, seulement du côté gauche, la piste d'avertissement. La balle est là. Sur la ligne. Circuit 2 points de Joel Carenza. Et l'avance des Goldbyes est maintenant de 9 points. Ah oui, alors que pratiquement tout le monde était endormi dans le stade Fernand Bédard. Avec ce pointage astronomique et Joel Carenza qui trouve une face. Tourner chez toi. Balle frappée par Grimm dans l'allée droite, c'est bien fait. Et on va pousser la garde du score, mais il n'y a pas de relais, la balle qui roule très loin. C'est un double, un point produit pour Eric Graves. C'est maintenant 14 à 3. Le tir. Balle frappée, solidement au champ centre. Le vol du recul tout près de la piste d'avertissement. La balle est laisse. La lune. Circuit 3 pour le Joel Picot de Javier Herrera. Et la marque est maintenant de 14 à 6. On est encore bien loin d'une remontée historique, mais disons que ce long, très long circuit vient faire deuxième circuit consécutif. Balle frappée dans l'allée de gauche, et cette balle va tomber en lieu sûr, et on va pousser Brown Omar, il n'y a pas de relais. Et soudainement, les Aigles marquent un cinquième point dans cette manche. Et oui, au premier frappeur de la manche qui... rend la balle qui est frappée très loin. Du côté gauche, la piste d'avertissement. Let's go! La lune! Circuit en solo! Damien Herrera! Et quelle belle façon de remercier Mike Bradstreet d'avoir sauvé les meubles à la manche précédente. Herrera qui, d'un seul élan, vient créer l'égalité avec son cinquième circuit dans l'uniforme des Aigles. Un tir. La balle qui est frappée du côté droit, long course pour la voltigeur est saisie contre la ligne. Et on dit que cette balle est dans le territoire des bonnes balles. Et Cuevas qui vient marquer sur le ballon sacrifice, c'est maintenant l'égalité 2 à 2. Mission à... Et le tir. Balle déposée au sol et cette balle est pas maîtrisée, en fait pas de relais, point marque. Et Eric Grave dans la victoire aux Aigles en fin de 9e. Le tir. La balle qui est poussée du côté droit, ça va être saisi par le joueur de deuxième but à jongler. Et son relais n'est pas atteint au premier sur le jeu. Lopez croise la main, c'est maintenant l'égalité de... Le premier tir de Preguero, balle frappée du côté gauche, justement saisi. On revient au deuxième point, et au premier, pas atteint. Et le point bien marqué, les Aigles prennent les droits par la marque de 3-2. Aïe, 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 à quel... Le tir troisième prise, c'est là. Tire de Downing. Troisième prise sur décision. Les Aigles qui a été très brillante ce soir. Le tir, c'est une troisième prise, c'est là. Et les Aigles qui l'emportent, signent une deuxième victoire de suite dans cette série. Et pour la...